parce que vous choisissez Télépacifique pour informer ou mettre tout point cap dominer actualité. AJH et ANMH mandé responsable média yo vigilant après commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan mandé ou mettez à la disposition li pressé pressé image et enregistrement yo gagnent sur zak krasé brisé qui fait dans cadre manifestation contre BJ yo. Association média et journaliste sa yo rappelé maître Oknam Klame Dameus, la presse pas là pour jouer rôle espion pour la justice. Chambre conciliation et arbitrage d'Haïti CCAH signé mardi soir un accord coopération et centre résolution alternative à controverse dans la République dominicaine dans l'idée pour améliorer relations entre secteur privé et public des pays. Ministère Tourisme et Institut National Formation Professionnelle, ensemble avec plusieurs partenaires, lancé mardi un projet formation pour 500 jeunes dans le domaine touristique et hôtellerie. Dans l'actualité internationale, le sénateur Jeff Flake et Bob Corker, deux gros piliers dans le Parti républicain, levé campé contre Donald Trump, qui d'après eux fait trois provocations et puis voulait régler tout bagaille sur les réseaux sociaux. Rete branché, détail, c'est pour maintenant. Merci parce que vous êtes branché pour détail journal là. Association journaliste et médias dans le pays n'a pas pris le temps pour réagir après notre commissaire gouvernement Port-au-Prince-Lan, M. Oknam Klame Dameus, publié pour demander responsable médias audiovisuels de mettre pressé toute image et enregistrement yo gagné sous zak krasé brisé qui fait dans quatre manifestations dans la capitale là dernier temps ça yo. Pour l'association journaliste haïtien AJH, c'est un scandale. Commissaire gouvernement voulait transformer les médias en espions. AJH interprété demande chef paquet Port-au-Prince-Lan tant qu'ils ont atteinte à principe liberté d'expression, liberté de la presse et droit pour joindre information, jean constitution pays a garanti ça. Bon côté PAL, Association nationale média haïtien yo, ANMH, qui trouvait demande commissaire gouvernement déplacé, rappelé dans quatre dossiers sa yo, c'est la justice et la police qui pour bien faire travail yo, ak moyen yo gen nan men yo. ANMH rappelé M. Dameus, rôle la presse, c'est pas veye geste citoyen yo pour al rapporter yo bay la justice. Chambre conciliation et arbitrage d'Haïti CCAH signé mardi soir dans Pétionville un protocole d'accord coopération et centre résolution alternative à controverse dans la République dominicaine. Dans l'occasion, président CCAH là, Willem Lemke, déclaré initiative ça visait créer un espace dialogue, échange et assistance dans le temps entrepreneurs haïtiens et dominicains. Accord ça a permettre mettre campé tout yon plateforme binationale arbitrage Haïti République Dominicaine. Déclaration de Namiko Riguer Noël. De nos jours, malgré un climat d'hostilité entretenu par des secteurs extrémistes de tous bords, il faut reconnaître en toute autre équité l'existence d'une classe de citoyens et citoyennes qui envisage l'avenir à travers un nouveau prisme. Au-delà des séquelles du passé, c'est dans cette perspective qu'il faut situer la résolution conjointe haïtiano-dominicaine de signer le dit protocole d'accord et de coopération. Résolution qui témoigne de la volonté des deux parties d'offrir des meilleurs services réciproquement aux ressortissants haïtiens et dominicains œuvrant dans le commerce. Les deux institutions en présence comptent s'unir pour la mise en commun de leurs ressources respectives en vue de la constitution d'une structure dénommée Plateforme binationale d'arbitrage Haïti-République dominicaine. Cette plateforme envisage un large éventail d'opportunités susceptibles de conduire à l'implémentation positive des objectifs. Divers et d'importants registres sont pris en compte. À ce titre d'exemple, permettez-moi de mentionner sommairement les points suivants. Échange d'informations et de documentation statistique et législative et pertinente et officiellement en vigueur. Président Centre Résolution Alternative à Controverse dans la République Dominicaine, là, Ricardo Koning, dit satisfait pour démarche ça qui est important dans le cadre GFOC a fait pour faciliter les businessmen haïtiens et dominicains jouent plus bon service dans tous les pays. Monsieur Koning fait connaître à quoi ça permet le secteur privé haïtien et dominicain de partager toute information sous affaires commerce. En suivant déclaration.
Quiero iniciar mis breves palabras. Quiero comenzar ese breve bienvenue en soulignant l'importance qu'il y a pour nous dans les centres de résolution alternative des controverses CRC de la République dominicaine pouvoir être ici avec vous pour formaliser, pour signer et mettre en marche cet important accord de collaboration qui naît grâce au flux croissant commercial qui existe entre la République sœur d'Haïti et notre pays, la République dominicaine. Nous savons très bien que la signature de cet accord ouvre un nouvel espace pour que les deux nations travaillent ensemble avec des objectifs communs sur la base de la coopération mutuelle. De la coopération mutua. Le groupe CEGEP dessin Jérôme en collaboration avec le ministère Tourisme et l'Institut national formation professionnelle INFP lancé officiellement dans Pétionville Yemadia projet formation compétences pour emploi dans le domaine tourisme et hôtellerie. D'après Anne Gagnon, une responsable, il y a 500 jeunes qui ont participé dans le projet ça, qui a duré 4 années et puis joint financement pays Canada pour 3,2 millions de dollars canadiens. Déclaration Anne Gagnon dans micro Mario Sylvain et David Mercieux. On vise à développer les compétences techniques chez les jeunes et c'est ce qu'on appelle chez nous l'approche par compétences. Est-ce que les jeunes qui vont participer à ce projet et se trouvent présentement dans les écoles, alors nous on les appuie parce qu'on va travailler avec eux. On pense pouvoir former des jeunes qui seront formés par les enseignants. Nous on ne forme pas, nous on appuie pour que les enseignants forment les jeunes. On devrait toucher à peu près 500 élèves si les programmes se déroulent bien et si l'enseignement, on arrive à insérer tous les programmes d'études. Donc le projet est financé à hauteur de... À hauteur de 3,2 millions de dollars canadiens. Et puis, principalement, les fonds vont servir à la formation et au développement des programmes, mais aussi à l'appui aux directions des écoles et à l'appui aux élèves. Représentant ministère touriste là dans initiative ça mais des Simon salier initiative là qui pral permettre yo améliorer qualité main d'œuvre là dans secteur touriste et hôtellerie dans pays d'Haïti en côté déclaration. Le projet compétences pour emploi en tourisme et en hôtellerie en Haïti financé par Affaires mondiales Canada. C'est un projet d'importance capitale pour Haïti dans la mesure où il va aider à standardiser la formation professionnelle dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme en Haïti. À partir de ce projet, on aura des programmes de formation en réception d'hôtel, en bar-restaurant et en cuisine élaborés à partir de l'APC qui est approche par compétences, qui est une méthodologie d'enseignement pratique. Ce sera des programmes de formation qui respectent les normes standards internationaux et qui tiennent compte de, bien sûr, la réalité locale, la réalité en Haïti. La ministre du Tourisme ainsi que le directeur général saluent et félicitent l'arrivée de ce projet qui va permettre d'avoir une formation plus pratique que théorique. Pour une main-d'œuvre haïtienne qualifiée, capable de répondre aux besoins et aux attentes de la clientèle actuelle. Chef coopération canadien dans le pays d'Haïti, Carlos Royas Arbulo, qui lui-même tout a participé dans la cérémonie, fait connaître un projet qui visait le développement de l'industrie touristique là dans le pays d'Haïti. Diplomate l'a déclaré, pays Canada pour continuer pour tes support dans améliorer qualité éducation dans le pays. Carlos Royas Arbulo, dans micro Mario Sylvain et David Mercieux. Les projets et compétences pour l'emploi en tourisme et en hôtellerie, ici, visent à accroître la prospérité des Haïtiens et Haïtiennes dans l'amélioration des services en compétences pour l'emploi dans le secteur de l'industrie touristique. Contribue à favoriser l'embauche des main-d'œuvre qualifiés, formés par les établissements d'enseignement dans le domaine de l'hôtellerie et du tourisme. L'initiative bénéficie aux jeunes, aux femmes et aux personnes handicapées des régions de Port-au-Prince et de Cap-Haïtien, en multipliant les débouchés d'emploi prévus par les programmes de formation offerts dans les institutions de formation ciblées. L'initiative répond à un besoin local de diversification de l'offre de formation
tout en favorisant un développement touristique inclusif. Le gouvernement canadien vise à améliorer la qualité de l'éducation offerte aux populations vulnérables, aux filles et aux jeunes femmes. Notre champ d'action est vaste et rejoint de multiples enjeux tels que la qualité des lieux, l'approvisionnement en eau, les pratiques pédagogiques non sexistes, le renforcement des systèmes de gouvernance et de gestion du secteur de l'éducation. N'a fait un petit coup de pied dans la page internationale là. Aux États-Unis, des gros piliers dans le Parti républicain ont levé contre Donald Trump, des sénateurs Jeff Flake et Bob Corker dénoncé à titre président américain qui toujours a fait provocation et puis voulait régler toute bagaille sur les réseaux sociaux. Plus de détails à Crown News. Donald Trump vient de subir plusieurs attaques frontales et cette fois-ci, elles viennent de son propre camp. Le sénateur de l'Arizona, Jeff Flake, poids lourd du Parti républicain, n'a pas hésité mardi à charger le président américain, allant même jusqu'à renoncer à briguer un nouveau mandat pour les législatives de l'an prochain. L'idée que l'on devrait garder le silence alors que les normes et les valeurs de notre pays sont sapées et que nos alliances sont menacées par des publications sur Twitter. Cette idée que nous ne devrions rien dire ou ne rien faire face à un tel comportement est dépassée et je le crois profondément erroné. L'autre invective, elle vient du sénateur républicain Bob Corker. Cadre du parti, il a dénoncé les contre-vérités répétées du président Trump. Réponse immédiate de l'intéressé sur les réseaux sociaux, le sénateur du Tennessee est incompétent. Je pense que les habitants du Tennessee, de l'Arizona ont soutenu ce président et je ne pense pas que leur nombre soit favorable à l'un ou à l'autre de ces deux sénateurs dans leur état. Et donc je pense que c'était probablement la bonne décision. Des voix discordantes qui attestent d'un profond malaise au sein même de la majorité. Pays Algérie a accueilli Joussayo, un forum mondial sous bataille qu'a fait contre terroriste là dans l'Afrique de l'Ouest. Dans discours li fait dans ouverture rencontre internationale ça, chef diplomatie algérien insisté sur nécessité pour attaquer des pigo pratiques terroristes qui c'est trafic illégal ensemble avec des mandrans son suivi un reportage avec Euronews. Diplomates, experts en terrorisme et représentants d'organisations internationales sont réunis ces jours-ci à Alger où se tient le Forum mondial de lutte contre le terrorisme sur l'Afrique de l'Ouest. L'Algérie et le Canada, co-présidents de la Réunion, ont appelé à une riposte immédiate et globale au Sahel pour stopper la propagation de la menace terroriste. Dans son discours d'ouverture, le chef de la diplomatie algérienne, Abdelkader Messaël, a insisté sur la nécessité de s'attaquer aux trafics illégaux et aux demandes de rançon qui financent les combattants. Il a également dit redouter le retour en Afrique de milliers de djihadistes suite aux pertes infligées au groupe État islamique en Syrie et en Irak. C'est là nous mettons un bout dans le journal non. Merci parce que vous avez suivi ensemble avec nous. Restez branchés Télé Pacifique pour reste programmation. Au revoir.